Si, mesdames, messieurs, en exclusivité, l'entrée de l'association Sawa, qui nous conduit au Paladou ce soir. Et ils sont là, et ils sont beaux, et ils sont belles. L'association Sawa, de Géber et ses environs, sous le signe de son président Daniel. Le samedi pour les choses sont faites sans le se mettre au bout pour recevoir les membres de l'association France. Ils sont bien habillés au sein de l'organisation dans cette communauté. Les belles dames qui sont là, les bons messieurs, au centre, le président Jacques Tormana, que nous connaissons tous, c'est Jack Longuet et que nous avons bien. Je vous passe le micro, monsieur le président, et vous allez coordonner les activités afin que l'un d'entre vous soit, ou alors vous-même, vous puissiez présenter l'association Sawa de Genève qui existe depuis de nombreuses années et qui fait des merveilleuses choses à Genève au Cameroun. Mesdames et messieurs, voici le président Jack Tormana. Wow! Je suis essoufflé. Je suis vraiment essoufflé. Si je peux vous dire que ça fait 3 jours que je ne trouve pas le sommeil, quand je me couche tôt, c'est bizarre. Juste pour préparer cette merveilleuse fête. Wow! La diaspora Sawa et ses partisans en Suisse, nous sommes très heureux de vous voir si nombreux. On vous dit grandement merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir nous assister, pour venir nous encourager, pour venir nous féliciter, pour venir nous soutenir. Merci, applaudissez pour vous-même.
Honorables, charmants invités, avant que je ne vous parle de l'association Diaspora Sao et ses partisans, je vais laisser le soin à ma conseillère, ma charmante conseillère, de présenter, n'est-ce pas, les membres du bureau ainsi que tous les membres entiers de la Diaspora Sao. Ma chère conseillère, la plus vaillante, t'as le micro. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous dire une fois de plus bonsoir et bienvenue parmi nous ce soir, honorer cette soirée qui est pour être clair à titre caritative. Alors cette soirée, c'est une soirée qui, parmi vous tous là ce soir, vous êtes venus nous soutenir pour que nous puissions tous ensemble aider les orphelins en Afrique. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais vous présenter cette belle équipe qui, en commençant par le bureau, et le bureau, on vous a déjà présenté notre Nino président. Celui-là même qui, pendant son sommeil, a eu l'idée de créer, de fonder cette association. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à faire du bruit pour notre président fondateur, Jacques Thomas. Merci, vous êtes gentil. Ensuite, nous avons une secrétaire. Vous savez, dans une entreprise, il faut le fondateur, il faut le directeur, la directrice. Nous avons une charmante secrétaire qui vient derrière notre président, que j'ai nommé ici, Madame Élise Mbarga. Applaudissez, s'il vous plaît. Nous allons continuer parce que le temps presse. Derrière cette charmante secrétaire, nous avons une trésorière. Celle-là même, quand vous allez nous laisser 10 francs, 5 francs, 100 francs, 1000 francs ce soir pour aider ces orphelins qui ont besoin de nous, elle s'appelle Sylvie Epoter. Applaudissez, s'il vous plaît. Elle n'est pas seule, hein. Elle a un commissaire. C'est pas un gardien de prison. C'est un commissaire, qu'on appelle un commissaire au compte, que j'ai nommé M. Ngol Sibé Rodrigue. Faites du bruit. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Et ensuite, c'est la même qui vous parle, qui s'appelle Sophie Ngol Kok. Conseillère de l'association Diaspora Sao de Genève. Et là, nous allons continuer. Nous avons une charmante dame qui est parmi nous, qui fait partie des membres fondateurs de cette association, qui est coordinatrice de cet événement que vous voyez ce soir, que j'ai nommé Brigitte Polony. Ensuite, mesdames et messieurs, je vais continuer à vous présenter également les membres fondateurs de cette association, en appelant celle-là même qu'on ne présente plus, l'une
Merci. Je continue, mesdames et messieurs, à vous présenter également l'une des membres fondateurs de cette association que j'ai nommée Michel Ngontama. Fais du bruit, Michel. C'est Michel, hein? Portez vos noms dans les actes de naissance. Voilà, mesdames et messieurs, le temps presse. Et là, je continue de vous présenter Madame Dimene la Douce, faites du bruit. Ensuite, mesdames et messieurs, j'ai en face de moi Madame Técler Sévé, faites du bruit. Ensuite, j'ai Madame Abanda Alicia. Faites du bruit, mesdames et messieurs. Je continue, je les cherche, hein, c'est pas où ils sont. Ah non, elle est là. Je cherche les hommes. Il y a trop de femmes ici. Hein. S'il y a des hommes qui veulent se joindre à nous, il y a trop de femmes. Et là, je vais vous présenter Monsieur Nicanor Mamida. De fan club. Hein. Ah oui, hein. Et là, je vous présente Madame Marie-Florence Ebengue. Et mesdames et messieurs, pour clôturer la clôture, je vais vous présenter celle-là qu'on ne présente plus, l'une des meilleures restauratrices, Madame Mégane. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, je repasse le micro à mon cher président fondateur Jacques Tomana. Merci. Merci, madame la conseillère. Merci, merci. Au vu du temps qui nous est imparti, je vais essayer d'être très rapide. Je vais essayer de vous poser comme ça rapidement. L'association Diaspora Sawa et ses partisans, n'est-ce pas, qui a vu le jour le 2 novembre 2016, donc on va dire bientôt 7 ans, nous existons. Pendant ces 7 ans, l'association Diaspora a cheminé Je disais tantôt que l'association Sawa a pris des initiatives, n'est-ce pas, en faisant des dons au niveau du Cameroun, plus précisément dans les orphelinats. En 2021, autant pour moi, nous avons, n'est-ce pas, comme ça, remis les dons au centre d'orphelinat des enfants du Nozo, des enfants de 2 ans, 3 ans, qui n'avaient plus des pères ni des mères. Alors, nous avons comme ça décidé, l'association, d'aller, n'est-ce pas, comme ça, donner notre participation pour le Cameroun, parce que ces enfants n'ont pas demandé à devenir orphelins. Nous savons tout ce qui se passe dans cette partie du Cameroun. Alors, je vais, n'est-ce pas, demander à certains parmi vous, des personnes qui sont sensibles aux orphelins, si vous avez cette opportunité de faire un petit don à ces enfants, n'hésitez pas, parce que beaucoup parmi eux ne vont pas à l'école.
Ils sont plus des cendres de Monsieur Matige. S'il vous plaît, tout ce que nous avons besoin, c'est les donner à manger. On n'arrive pas à les nourrir. Ils mangent 3 fois par jour. Ils mangent 3 fois par jour, je n'arrive pas à les nourrir. Quand ce monsieur nous a dit ça, moi j'ai coulé là. Donc, j'ai dit, messieurs, alors ce que nous pouvons vous apporter, ce serait notre petit moyen dont nous avons pu réunir. Grâce à cet événement, nous avons pu réaliser au niveau du Cameroun, les autorités de la ville de Genève, ils ont vu des images, ils ont vu des vidéos. C'est dommage que nous n'avons pas pu installer le beamer parce que c'était prévu pour vous montrer ces images. Très astuce, très choquant. Mais je peux vous dire que si vous aurez vu ces images, je suis sûr que vous aurez coulé les larmes dans cette salle. Parce que ces enfants, c'est des petits-enfants, 2 ans, 3 ans, qui souffrent. Alors, pour dire, l'association Diaspora Sawa ce soir, si nous avons organisé cet événement, c'est pour faire plus grand que ce que nous avons fait. C'est pour réaliser plus grand ce que nous avons fait. Nous voulons apporter plus à cet orphelinat qui n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école. Ses enfants ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Donc, pour des personnes sensibles aux orphelins, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont été orphelins depuis des très bas âges, n'hésitez pas. Tout à l'heure, il y aura une cagnotte. Si vous avez 1 franc, 2 francs, 1 franc, c'est 650 francs, c'est pas, n'oubliez pas. Ça peut faire quelque chose. Donc tout à l'heure, nous mettrons une cagnotte pour des personnes. Déjà, on sait que vous participez déjà en achetant une canette, un champagne, c'est déjà une participation, c'est une bonne chose. Mais si vous pouvez donner plus, ce serait bien. Alors, comme je le disais tantôt, je ne vais pas monopoliser le micro. Nous sommes très heureux, nous sommes très ravis de vous voir si nombreux d'avoir fait le déplacement. Pour cela, au nom de l'association, nous tenons encore à vous dire grandement merci. Merci, 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 merci. Donc, je vais passer le micro au MC.